Salut à toutes et à tous, c'est Oignon pour Bolossus Chronicles, et aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode du Let's Play RP de Dishonored. Et on va, sans plus tarder, se plonger dans le RP. Allez, faut aller tuer ce putain de régent. Je pourrais me démerder. On va essayer de posséder ce rat-là. Avant de faire voir de préférence. Session bloquée. Comment ça? Possible de pas me faire voir ici. Tiens, prends ça, enculé. Personne ne verra là où tu vas aller. On va passer par là. Il faudrait vraiment que je me calme à parler tout seul tout le temps. Sans se faire voir. On a renforcé la garde à chaque poste. Pour l'instant, restez plutôt dans la salle sécurisée de la cour. Ce fils de pute. Je suis désolé, je coupe un peu le RP. Putain, merde, je peux pas sauvegarder. Je suis désolé, je vais peut-être mourir là à ce moment-là. Je sais que vous êtes là. Je vais se planquer. Rester là autant que je veux. Vite! L'assassin essaie de me tuer. Ah, je vais vous trouver. Il n'y en a qu'un seul avec ça. Le superviseur est mort. Sonnez l'alarme. Mais le superviseur est pas mort. Je sais que vous êtes là quelque part. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Cet appareil est infranchissable. Ah, je vais vous trouver. Franchissable. Pour qui? Pour un maître assassin? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Allez, tuez-le. Continue à paniquer. Ça me fait plaisir. Je sais que vous êtes là. Les renforts ne vont plus tarder, assassin. Vous verrez. Je ne vais pas rester. Et voilà. Ah. Impossible. Mais vous allez mourir, oui. Je vous ai entendu. Rendez-vous. Allez, nous savons tous les deux que vous avez peur. Moi, peur? Pourquoi faire? Je vous attendais, assassin. On va. À moi, la carte. Ah. Vous ne serez pas le premier. Vous voulez sans doute parler de Corvo? Regardez partout. Ne touchez à rien, maudit assassin. Criez si vous le voyez. Nous savons que vous êtes là. Ça ne donnera rien. Je vais vous apprendre. C'est un travail de patience d'être un maître assassin. Vous êtes condamné. Quand je vous aurai trouvé, ça nous va mal aller. Plus nombreux.
je vais vous trouver. Je vais donner votre clan au chien. Tirez. Bien joué, enculé. Tu vas avoir une prime pour ça? Ah! Non, pas ça, pas ça, pas ça! Viens ici, oh fils de... Putain. Et moi aussi. Suivez un entraînement. Et pas n'importe lequel. Celui d'un maître assassin. Tu te penses protéger ça, fils de pute? Comment? Comment avez-vous fait? Non, c'est impossible. C'était sûrement qu'un rêve. Un horrible cauchemar. Ouais. Pourquoi vous masquez le visage? Quel fantôme se tient sous ce masque? Un esprit vengeur. Je ne pense pas que tu veuilles t'avoir. N'est-ce point été parfait? Non. Non. Qu'est-ce que vous comptez faire? Dites-le-moi. Connaissez-vous seulement la pitié? Vous tuez. Vous vous souvenez de moi? Corvo, comment est-ce possible? Je me suis échappé. Je deviens fou. C'est vous qui nous avez attaqué et oui. Supprimé mes alliés. Oui, c'est moi. Pourquoi jouez-vous? Pourquoi revenir? Vous avez survécu malgré tous mes efforts. On vous accuse d'avoir tué l'impératrice. J'entends. Devez-vous abattre comme le chien que vous êtes. Et l'histoire se souviendra de moi comme celui qui aura vengé sa mort. Fils de... Pute! Vieux chien! Tous ceux qui nous restaient fidèles vont mourir. Je me sens à la fois bien, très bien. Là-bas, je peux encore fouiller cette dépouille. Quel enculé. Et d'ailleurs, on va regarder. C'est le moment de prendre ça, je pense. Ah non! Jamais! Ah! Ah! Merde, c'était débile, désolé. C'est de ma faute, j'aurais jamais dû. Putain, non, je reprends là. Ouais, vous savez quoi? Désolé, c'est parti, je vais pas la faire en RP, je l'ai déjà fait. Quelles sont les nouvelles, capitaine? Rien à signaler, monsieur. On a renforcé la garde à chaque fois. Voilà, fils de pute. Vous voyez pas que je suis en danger? Permis,
Tiens, cadeau. Ah! Tiens, prends ça. On peut pas sauvegarder, ok. Toi, tu vas te calmer. Eh mais... Ah. Et voilà. Vite, vite. Jamais vous ne mourrez. Six jours. Bonne chose de fête. C'est froid. C'est terminé. Terminé, Samuel. Vous êtes prêt à retourner au Hand Pits? C'est terminé. Merci à vous, Corbeau. Bon, allons-y. C'est fini. Ces changements, ça m'inquiète pas mal, pour être franc. C'est toujours le menu fretin dans mon genre qui truque. Mais cette fois, ça peut être différent. Le Lord Régent est hors d'état de nuire et l'abbaye a un nouveau grand superviseur. Notre travail est presque fini. Les autres sont au bar. Sans doute en train de trinquer à votre... En ce qui me concerne... Moi je vais rester dans le coin si ça vous fait rien. Réfléchir à des trucs tant que j'ai un moment. Félicitations, Corvo. Tu as tué des gens? Combien? Laisse-moi. Enfin, le Lord Régent est mort. Adieu, Hiram Rose, misérable armure. Désormais, nous allons pouvoir modifier la loi pour nous blanchir de nos crimes. Nous retrouverons Daud, assassin envoyé par le Lord Régent pour tuer l'impératrice. Ensuite, vous pourrez vous venger. Il va falloir nettoyer tout ce foutoir et vite. Les forces armées feront leur travail. Martin a pris le contrôle des superviseurs. Et vous, Trevor, faites ce que vous avez à faire avec le parlement. C'est Lord Trevor Pendleton. Merci. Sans moi, vous n'aurez jamais la noblesse. Ils vous mettront en pièce. Désolé, Corvo, ce sont les nerfs. Notre travail est fini, le nôtre commence. Le couronnement sera un peu inattendu, mais il nécessite beaucoup de préparatifs. Nous pouvons en gérer la plupart. Reste la sécurité. Emily sera vulnérable face au meurtrier de sa mère. Je doute que l'histoire se répète, mais demain, nous devrons rester sur nos gardes. En ce qui me concerne, le travail est terminé. Reposez-vous, mangez, pillez le matériel de pied, faites le plein de munitions et soyez prêts au cas où. Non, moi c'est fini. À Corvo, l'homme qui a permis de changer le cours de l'histoire. À Emily Caldwin, et à l'aube d'une ère nouvelle pour Dunwall et l'Empire. C'était rentré dans l'ordre. Lord Régent mort, Emily sur le trône, enfin bon, l'assassin de la reine encore en vie, mais c'était pas à moi de m'en occuper. Tout était rentré dans l'ordre, mais pour combien de temps? Voilà, pour ce qui concerne la série RP de Dishonored, c'est terminé.
Alors, je vous le dis, c'est terminé. Je n'ai, certes, le jeu n'est pas fini, mais j'ai préféré faire une fin alternative au jeu comparée à celle de normal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je fais une pause, à mon avis, d'une semaine, ou pas du tout de pause, je verrai bien, pour essayer de trouver un nouveau jeu à faire en Let's Play RP. Ce sera toujours tous les jeudis 1h. Sur ce, je vous laisse. C'était Wagnon pour Ball 6 Chronicles. Et j'espère que la série vous a plu.